Salut à tous, petite vidéo rapide. Bon, ETH est en train de drop, il va pas tarder à arriver, probablement dans la zone d'achat weekly. Vous rappelez que cette zone d'achat weekly, on la fine en daily ici. Et donc, premier scénario. Si on considère que le weekly, ok. Donc en weekly, on peut toujours avoir une convergence du momentum. Okay, c'est-à-dire faire un higher low sur le momentum, c'est toujours possible. En daily, on est divergent sur le momentum, pas sur le RSI. Et surtout, on n'est pas dans une zone. Donc la divergence, on s'en fiche un peu tant qu'on n'est pas sur zone. Si on valide la divergence à partir du moment où on rentre dans cette zone, alors ça va m'intéresser de jouer la divergence daily si il y a une divergence H4. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je prendrai la divergence H4 tant que le daily est divergent et qu'on est là-dedans. Okay? L'autre scénario, c'est on pousse beaucoup plus bas. Un qui est tout à fait envisageable, c'est d'arriver de toucher, de rebondir pour faire monter le RSI et de venir taper la zone là pour faire la div du RSI. Okay? Et la div du momentum en même temps, en venant taper le fond. Ok, ça c'est un des scénarios qu'on va jouer. C'est-à-dire quand on va arriver là-dedans, si on est divergent sur le RSI, divergent sur le momentum, eh bien on va descendre du T, d'accord? La zone est beaucoup plus petite en amplitude, voilà, elle fait que 10%, donc on va descendre du T, par exemple 5 minutes, pour aller trade à l'intérieur de cette zone-là, pour avoir le risk-reward maximum. Maintenant, deux choses. La montée ici est probablement en 3. Ok, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, et là il y a probablement 1, 2, 3, 4, 5 là-dedans. Ce qui veut dire qu'on est probablement sur un flat. Ok, 1, 2, 3 qui casse la TH. Donc il y a, quand vous avez un ATH qui est cassé sur une structure ascendante en 3, il faut penser au flat. Ok, d'Elliott. Ça, je vous invite à regarder les autres vidéos. Et l'alternative, c'est la diagonale. C'est-à-dire, on peut faire 3, 3, 3, 3. Ok. Bon. La diagonale, on verra. Enfin, la diagonale, on verra. La diagonale, en fait, c'est si on vient toucher cette zone et qu'on rebondit et qu'on recasse la TH, c'est ça qu'on sera en train de faire, probablement. Mais peu importe. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est une descente en 5. Parce que le flat, c'est 3 vers le bas, 3 vers le haut, le flat irrégulier ou le running flat, et après, c'est 5 vagues vers le bas. Donc on arrive d'ici, hein. 5 vagues vers le bas avec deux possibilités. On fait 1, 2, 3, 4, 5, et on casse jamais ça. Ou alors on fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et on casse largement ça. Enfin, largement. Pas forcément largement d'ailleurs. On le casse en tout cas. Donc, le scénario. Comment dire? En daily, il faudra une divergence daily du RSI pour finir la vague. Ok. À mon avis, tant qu'on ne diverge pas daily, on n'a pas fini. Donc ça, j'en suis à peu près. Comment dire? Enfin, pas convaincu, parce qu'il ne faut pas de conviction, mais si on ne diverge pas, je vais avoir beaucoup de mal à trader longue. Ok, donc ceci étant dit, on a vu le scénario de la plutôt diagonale où on va rebondir, enfin où on rebondirait sur le bas de la zone ici. Encore une fois, on peut rebondir sur le bas de la zone pour la recasser, hein, c'est pas le problème. Le tout, c'est qu'il y a un rebond. Maintenant, il y a un scénario qu'il ne faut pas négliger. Vous voyez les petits dollars qui sont mis ici. Ok, ça veut dire que détecte qu'il y a un pool de liquidité dessous. Et ce qui peut tout à fait arriver, si on vient ici, on rebondit un peu, on mèche là-dedans, même on peut le déborder, hein, et on réintègre, et après on part vers cette zone probablement. D'accord? Donc ça, il faudra y penser. Chercher des longs là-dedans, mais si on tombe dans cette zone et qu'on diverge toujours
sur le RSI, il faudra penser à chercher des setups d'achat sur ces bounces là. On a la même sur BTC qu'on va regarder rapidement. Hop. D'accord, c'est mon scénario préféré parce que c'est le scénario Max Payne. Voilà, scénario qui fera mal de chez mal de chez mal. On les a mis, ils sont, les zones sont là, voilà. Hop. Ok. Les zones H4 sont là. Elles sont dessinées dessous. D'accord. Et donc vous voyez, hein, ça ferait un petit excès. Si on arrive ici, ça, la zone fait 10%, on ferait un excès d'à peu près du double ou de 50% de plus pour venir taper une de ces zones ici vers 26 000. Donc si la même chose sur BTC, si on arrive, qu'on rebondit et que là on a une divergence, switch petit UT pour play en rebond. Bon, en tout cas, on n'en est pas là, d'accord, mais vous savez, hein, le trading, c'est être bien préparé sur ce qui va arriver. Parce que quand on arrivera ici, si on y arrive, je peux vous dire que le sentiment de marché il sera bear, hein. Full bear, complètement. D'accord? Vraiment pas joli du tout, surtout si on casse ça. Et c'est là justement, vu que c'est un pool de liquidité, c'est là qu'il faut être. Regardez, toute la liquidité qu'il y a dedans. Là. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on aille piquer ça. Donc c'est là où il faut être prêt, savoir ce que l'on veut faire dans cette zone et exécuter son setup que vous répétez tous les jours. C'est comme le sport de haut niveau. Voilà. Bon bah ça je rigole sur ceux qui avaient call le bottom hier. Hein. Voilà, on a créé de la liquidité partout, qu'on a bouffé aujourd'hui. Hop. La même chose, hein, ceux qui ont acheté aujourd'hui, on était au milieu de rien du tout. D'accord, rien, il n'y a pas de niveau ici, il n'y a rien en 4 heures. D'accord, en 1 heure, je crois qu'il y avait des petits niveaux. Voilà, il y avait un petit niveau en 1 heure. Donc vous pouvez aller trader ça sur le 5 minutes. Ok, bon, bah sur le 5 minutes, sur vos setups. Oups, pardon, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai attrapé là? Sur des setups, voilà, il y avait quelques pourcents à prendre en levier. Ok, bon, pourquoi pas. Mais on était sur aucun niveau long terme. On n'arrête pas une chute weekly avec un niveau 1 heure, d'accord? C'est tenté qu'on l'ait vu ce niveau. En tout cas, vous voyez que le niveau identifié ici, il a bien fait ralentir le prix, réaccélération baissière qui était attendue. Ça fait depuis hier, on dit que le BTC s'est arrêté nulle part et qu'il va aller chercher plus bas. Voilà. Donc là, il rentre, BTC, il est dans le money time. Il est dans la zone, ça y est. D'accord? On l'a. Elle est dessinée, on l'a ici, donc il est en zone. ETH n'y est pas encore, donc c'est possible. Un bon moyen, c'est d'attendre que ETH arrive en zone et de voir où est BTC. Ça se trouve, quand ETH va toucher le haut de la zone, BTC sera en train de casser sa zone à lui pour aller rebondir sur la zone des 26K. Voilà, ça s'appelle travailler la synchronicité des actifs. D'accord, le tout c'est qu'ils soient tous les deux sur un support possible. Et on prend celui qui respecte le support comme référence. Voilà, je ne fais pas plus long. Vous avez les zones, les scénarios. Maintenant les setups qu'on cherche, l'idéal pour moi c'est une divergence daily. Ok, je vais y arriver, hein. Pardon. C'est ça que je veux faire. Voilà, une divergence daily avec une divergence H4, pour l'instant on diverge pas H4, on est tout en bas sur le momentum. Et quand on est divergent daily et H4, je peux aller sur le 5 minutes, voire le 1 minute, et trader des convergences. Ok, ça c'est un truc aussi, on vous apprend dans les, ouvrez les guillemets, formation de trader, fermez les guillemets, à trader les divergences, en disant, ouah, ça diverge, ça va tomber et tout. Bon, je pense que si vous avez suivi des choses comme ça, vous avez tous vu que ça marche pas. Passant autre chose en fait. Okay. Et donc, pour moi, hein, le meilleur setup qui existe, c'est vous êtes dans votre zone, unité, ce qu'on appelle sur le Discord, unité d'analyse. Okay. Par exemple, le 1 heure. Vous êtes dans votre zone 1 heure, et vous arrivez dans la zone 1 heure avec un momentum 1 heure divergent. Okay. Divergent, qu'est-ce que j'appelle divergent? C'est-à-dire que le momentum,
Là, il est en train de pardon, là, il est pas en train de diverger. On va repasser sur le daily. Voilà. Là, il est en train de diverger sur le daily. OK. Vous voyez ici, mais il s'est pas retourné. Donc, il est divergent. C'est-à-dire qu'on n'a pas de divergence validée, mais on va pas attendre que la divergence se valide. Le risque d'acheter un top si la divergence échoue est trop forte. Donc, c'est pas comme ça qu'on va faire. On va attendre que le H4 se mette à diverger. Donc, c'est très probable qu'on ait un rebond à un moment pour faire diverger le momentum et le RSI. Okay. Ben d'ailleurs, c'est pas pour faire. Hein. La divergence n'est que le symptôme de la création d'enchères. C'est tout. Hein. N'inversons pas les rôles. Donc en gros, je vous disais, c'était pas le but de la vidéo, mais bon, on a notre zone 1 heure. Le prix arrive, il rebondit, il fait ça. Le momentum diverge en 1 heure. Okay, le momentum, il fait ça. Voilà, il diverge en 1 heure. On va basculer sur le 5 minutes. Et sur le 5 minutes, on va chercher une convergence. Et la convergence, ça ressemble à quoi? Bah, c'est simple, ça ressemble. Je regarde à ça. C'est pas la plus belle. Mais c'en est une. On va en trouver une autre. Alors, si possible, une convergence boule. Donc là, vu qu'on est en bear market, il n'y en a pas. Enfin, bear market, on est en tendance bear sur cette UT. Voilà. Ici, il y en a une. Donc, vous voyez le prix, il arrive, on fait un plus bas sur le momentum, il monte et il revient faire. Cross sous zéro. Et il fait un higher low après avoir cross sous zéro. Voilà, vous avez en plus un signal d'achat sur le prix, ici, ici, bon, et ici. Donc, ça, c'est un achat. Tac, stop loss dessous et vous tradez le rebond. Pourquoi c'est important? Ça évite d'acheter un marché qui vous zigouille, qui vous lessive. Et ça, vous avez dû le vivre, surtout en fonction de qui vous suivez. D'accord? Vous achetez un marché qui ne réagit jamais quand vous achetez, parce que vous ne vous mettez pas dans la situation où vous avez la création d'enchères sur l'unité d'analyse et le renversement de trade, de sens de trade, avec la convergence sur l'unité de trade. Okay. Et il faut diviser par 15 à 30 votre unité, 8 si vous êtes débutant au tout début. Alors ensuite, dès que vous commencez à maîtriser, 15 voire 30 ici. Pourquoi 8 au début? Pour vous éviter de overtrade. Vous aurez moins de setup, ils seront moins bons, mais vous en aurez moins. Et une fois que vous serez rodé, bah, vous pourrez descendre encore plus. Parce que même en ayant des bons setups, si vous n'avez pas l'habitude, vous allez faire n'importe quoi. Comme on a tous fait, hein, sans souci. Donc, ben voilà. Il n'y a plus qu'à. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas suivi les pseudo-traders qui ont acheté au milieu de rien aujourd'hui et que vous avez vu la vidéo ce matin qui disait qu'on allait aller toucher cette zone quasi sûre. Donc on était quand même. BTC, il est où? 10% plus haut. Voilà. Bon courage à tous.